ces finales de Betclic Elite qui sont dominées par la Roca Team. Cet écrin, ce magnifique écrin de Roland Garros, ce court Philippe Châtrier qui s'est transformé en 3 jours il y a 4 jours. We don't want to come back here Saturday, right? Huh? We have to be our last battle. But for this, we have to give everything. Give it all, everything. Huh? Everything. They will not give it to us. Yes, so give the best effort you can give to us. Let's go. Roca! Le court Philippe Châtrier attend ses héros, ses acteurs. Peut-être le premier titre de l'histoire de Monaco à l'issue de ce match-là. Match 3 de nos finales de Betclic Elite saison 2022-2023. Match pour l'histoire, peut-être le dernier de Victor Wembanyama en France. Match 3 pour l'histoire, surtout pour Monaco, qui pourrait aller chercher son premier titre. Balle de match pour les Monégasques sur le court Philippe Châtrier devant 15 000 personnes. Guys, enjoy the game. C'est fort ça. Tayshaun Thomas qui vient tranquillement dans cette raquette. Vincent Collet qui pousse ses hommes. Sacha Obradovic est dans la même configuration effectivement qu'au match 2. Il voit son équipe un peu soft. Il a reposé. Ça pump fort. Et Tayshaun Thomas vient bomber le torse et gonfler les muscles. Ça c'est un move, un vrai move d'intérieur. Lloyd. Et voilà, Lloyd. L'assassin Lloyd, franchement, c'est un métronome. Capable vraiment de penser le shoot avec un shoot ultra fluide en plus. Face à lui, Lloyd, à 3 points, il sanctionne tout. Il est trop chaud, il est beaucoup trop chaud, Lloyd. Wembanyama prend son temps, super. Quel coucher, Victor Wembanyama, il s'est resitué, il a pris son temps. Oh, oh, le contre, le contre monstrueux de Makoundou. Oh là, il a voulu le poster à deux mains, Armel Traoré, Makoundou a dit faux. C'est ouais, pas, c'est pas de l'énergie, de la vista sur cette passe laser conclue par Johan Makoundou. Quelle vista de Mathieu Strazel. Ça c'est un move absolu. Si ça finit dedans, ça va embraser, ça embrase le court Philippe Châtrier. Quel move de Victor Wembanyama à 45 degrés. Le handle, le toucher, le talent à parler. Les Mets font un match très très sérieux, très complet. Début du troisième quart-temps, toujours crucial dans un match de basket, cette entame de troisième quart-temps. Et Koulibaly qui vient encore dunker, plein axe cette fois-ci. Quel finisseur. Personne n'a pu les stopper. Quel finisseur Koulibaly, quand il est près du cercle comme ça, personne ne peut l'arrêter. Comment répond. Ça, c'est sa spéciale également, le handle, le il est step rapide, back, il est rapide sur son premier pas. Même Victor Wembanyama est obligé de reculer. Il dégaine tellement vite. Et tellement haut. Troisième carton impeccable des Monégasques. Regardez, un petit match de Brown de Serve qui vient voler le ballon. Et regardez l'agressivité de monsieur John Brown de Serve qui vient, à ce moment du match, mettre un gros coup de pression. Récupérer ce ballon-là, c'est... Oh là là, c'est... Là là. Merveilleux. La Roca Team ne plaisante plus du tout maintenant. Ce 5-là est en train de faire mal aux Mets. Le high-low, ah, bien joué. Magnifique ça. Vous vous en régalez. Ça remonte de l'opposé pour recevoir le ballon sur la ligne de lancer franc. Et la salle qui scande son nom, évidemment. Como. Le flotteur. Sharon Blossom Game, c'est lui le facteur X Monégas dans cette partie. Qu'est-ce qui fait du bien sur cette action-là. Mais la passe, elle est magnifique aussi, elle est bien trouvée. Elle est à 19 points, hein, Blossom Game. Peut-être le premier titre de la Roca Team. Il est inarrêtable, inarrêtable. Sharon Blossom Game ne rigole pas du tout ce soir ici sur le court Philippe Châtrier.
Devante Jones, c'est compliqué. Mais il y arrive, Devante Jones. Une capacité à finir Devante Jones ce soir, c'est juste fantastique. Quel match encore. Et attention, attention, Monaco n'est plus très loin d'un premier titre dans son histoire maintenant. Jordan Lloyd va s'élever. Jordan Lloyd a trois points. Peut-être le plan du titre signé Jordan Lloyd. L'assassin Jordan Lloyd. Vous parliez de Dagger. Lui l'a été. Clutch. Ils ont trois points d'avance. À moins d'une minute de la fin. Quel shoot de Jordan Lloyd. Ah, stop obligatoire, stop obligatoire pour les Mets. Jordan Lloyd à 3 points. Le shoot légendaire dans l'histoire de la Roca Chip, c'est fait. Monaco va aller chercher son premier titre grâce à Jordan Lloyd dans la légende du club monégasque. Monaco va le faire. Monaco est champion de France de basket. Monaco est champion de France de basket. Ils sont allés chercher ce titre-là, ce roster-là, était bâti pour ça. Ils ont fait le doublé en plus, puisqu'ils ont gagné la Coupe de France face à l'ASVEL. Saison historique de la Roca Team qui entre dans l'histoire du basket français. Le président Bollegas qui est à la fête également. Le président Federicchi va savourer. Jamais ils n'auront craqué, ils n'auront pas perdu un match dans ces playoffs. Il n'y a pas que le talent, il n'y a pas que le talent, il y a l'intégration des joueurs comme John Brown qui ont été fantastiques. Tout le monde s'est mis au départ de la troisième meilleure des équipes d'Europe. Je crois que même. Yeah.
Let's go! Let's go, baby! Let's go! Monaco, baby! Depuis mon retour en France, ça fait 2 sur 2. Et Mathieu, c'est son troisième d'affilée, je crois. Mais plus sérieusement, on avait une très très forte équipe et on l'a montré tout au long de la saison. Même malgré les petits bas qu'on a eu, on sweep tout le monde et on gagne. Donc, je suis vraiment content pour le groupe. On est une équipe de champions et on l'a montré tout au long de la saison et pendant tous les playoffs. Elle est belle celle-là. Voilà, elle est pas mal. Elle est pas mal, ça fait 2. Mais j'aime bien celle-là. Maintenant, je vais partir en vacances, je vais aller bronzer. After last year, better feeling, way better feeling. Yeah! Yeah! On attendait tellement ça là, punaise. En plus, le doublé. Oh là là. Et 0 défaite en playoff. S'il vous plaît, 8 victoires. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Un match de traînard jusqu'au bout. Pierre, le maillot. Ouais. Shout out Monaco, man. First the mini, bro. That's how I feel. First the mini, bro. Why not? First the mini. I got mine too. Oh no, I don't. Sorry. Oh, no. Nah. Go! That's all I want to drink. They want to waste it. I'm trying to drink it. Oh, it's a drink. You want a drink? Yeah! Woo! Yeah! Hey! You want some water? I can't see! Oh my God. Yo, I can't see. Nobody told me it burns your eyes. Now I can't see. Yo, what? I'm sipping on maple. Hey, if she won't fuck, I won't make her. Hey, I don't like bitches, I'll make her. We got bro. If she won't see this, I'll make her. I'm mad. What I want.
wake up. Hey, I'm best of all of them. Yeah, I'm best of all of them. Yeah, I'm best of all of them. She just play a part when it's time to smuggle. I pull up, pick up that bag and burn rubber. I got a sweet tooth, but I stay away from suckers. Noble and Malibu was my last supper. I fuck her in rush hour traffic, clean sucker. What? Yeah. Everybody screaming, gang, gang, gang. The folks come and get you, you gon' tell them the whole gang. She said, can she fuck me with my diamond chain? If I ain't in the bank, then I'm on the plane. About to go get some money or go spend some money. 100 shots. Oh, yeah, oh, yeah. 100 shots. Hey, me and my niggas pull up in 100 shots. Some motherfucking I don't know the words. You trap together, then it's my motherfucking bottom. Okay. I pay your bills and back. You're gonna lie, B-Money. Hold on. I don't know how many people. She just play a part when it's time to smuggle. Nobody in I pull up, pick up that bag and burn a rush. I got a sweet tooth, but I stay away from suckers. Hey, man, I need a cut. No boo and Malibu was my last supper. I fucked her in rush hour with traffic, Chris Tucker. Everybody screaming, gang, gang, gang. The folks come and get you, you gon' tell on the whole gang. She said, can she fuck me with my diamond chain? If I ain't in the bank, then I'm on the plane. About to go get some money or go spend some money. I had too many bitches on me. They don't want you. Where you at? Last night I did a show. My pinky ring, extra large. Falls out in the garage. That last one right there. Hold on, that mic. That's not the last one. Who is that? Go. You go. He right there. No, I don't think it's him. I'm dead. I'm thinking of him. Good job, bro. See you. J'essaie de sauver les apparences, mais je souffre. C'est vrai que c'est trop tôt. Merci pour mes bras. Un match compliqué, hein. On a joué un peu avec vos émotions parce qu'on aime bien ça. Et c'est aussi ça être fan de la Roca Team. Premier titre enfin qui arrive à Monaco, on a attendu ça depuis très longtemps. On veut vous remercier pour votre soutien. Vous avez été au top. Moi j'aimerais dire merci à mes gars, thanks guys for this amazing season. You've been great all season long. And we got this. Yeah. C'est moi ce bonheur. Merci encore. Et vive Monaco! Coach says shoot, so I shoot.
But no, I mean, this is not just about me, man. My teammates, we had a great, great season. Everybody stayed together. Everybody was one, and we accomplished something that's never been done before. So thanks to you guys for coming out today. Thanks for all the love, support. We appreciate you guys. And let's run it back next year, man. Yeah! Merci.